Bonjour Karine. Bonjour Philippe. Alors toi, tu reprends donc le pont des Aulnes qui avait été laissé vacant par Nicolas. Oui, c'est bien voilà. Ça. Voilà. Et alors tu en fais aussi un restaurant inclusif. Voilà, comme Gaëtan. Comme Gaëtan. Gaëtan flamand, donc de Montcornet en Ardennes pour ceux qui connaissent. Donc toi tu prends la suite, on va dire logique, quasiment. Hein. Donc tu vas avoir ton fils qui va travailler avec toi, oui. Qui s'appelle Hugo. Voilà. Et puis, tu vas avoir donc une dizaine de personnels. Ouais, 11, 12 à peu près. 11, 12 personnels qui sont tous porteurs d'un handicap ou quelque chose d'approchant. Voilà, voilà. Et alors, ils viennent d'où ces jeunes-là? C'est que des jeunes? Il y en a deux qui ont 31 ans. Ah, hein? Et les autres, je ne sais pas en fait. Je sais pas. Donc, tu ouvres quand exactement? Normalement, le 15 août, ça va être chargé. Voilà. Donc, tu fais un barbecue, c'est voilà, ça? Faire des jambons à la broche. Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Pour les maris. Voilà. Pour qu'ils s'habituent tout doucement. Alors, jambons à la broche. Qu'ils prennent leur repère en même temps. Des saucisses, du lard, non des... Oui, bah, tout ce qui est autour du barbecue. Ah, oh, bah alors. Donc, il faut espérer... Il faut espérer que tu aies du beau temps. On est quand même là, on le voit, à proximité des bois. C'est formidable, c'est un site exceptionnel. Donc moi je suis sûr, te connaissant un peu, que tu vas t'investir à fond là-dedans avec ton fils. Et puis ta belle équipe, tu y es déjà, oui, ça se fait pas en un jour, hein. Comme on dit, Paris c'est pas fait en un jour. Donc voilà, on peut te souhaiter plein de monde. Le 15 août, tu vas certainement en avoir, parce que tu es sur l'axe Charleville-Givet, à proximité du lac des Vieilles Forges, et c'est blindé là-bas, blindé de monde. Ils savent même plus où aller tellement il y a de gens, tu vois. Ils se garent sur le bas-côté de la route, donc ils vont venir chez toi, il y a de la place. Il y a de la place. Oui, donc normalement, tu devrais faire une belle arrière-saison, là. Normalement. Alors, qui cuisine? Eh bien, Hugo. Donc, ton fils Hugo est un en cuisine. Voilà. Donc, il s'y connaît un peu déjà, certainement, non? Oui, voilà. Oui. Parfaitement. Et toi, tu gères donc toute, moi, la, je suis polyvalente. Toute la maison. Donc, la directrice et en même temps, le service. Un peu tout. Mais t'auras du monde pour t'aider au service, de toute façon. Oui. Tu vas pas faire ça toute seule, hein. Donc voilà, moi je pense que c'est un très beau projet. Il y a plein de belles idées. Donc par contre, alors je viens d'apprendre qu'il n'y aurait pas de frites. Non, des patates mais pas de frites. Oui, non mais c'est sous d'autres formes. Voilà. Ouais, ok. Bah, on mangera des pommes de terre. Hein. Voilà. Alors dans ton équipe, j'ai appris que tu allais avoir des personnels de l'Albatros, c'est-à-dire oui. Des résidents plus mmh. précisément. Et vous allez donc faire des légumes. Comment ça se passe? Tu vas être aussi la présidente du potager? Ah non, là, c'est pas moi ça. Bon, donc tu auras des résidents de l'Albatros 08 ici à Montcornet. À partir du mois de septembre. À partir du mois de septembre. Donc là, au mois d'août, tu démarres quand même avec le nombre que tu m'as annoncé, c'est-à-dire oui. entre 12 et 13 personnels, ce qui est pas mal déjà. Parce que le mois d'août, c'est vrai que ça va bien donner normalement. Hein. Bah, après, ici, le cadre est exceptionnel. Alors, l'état barbecue de 11 personnes, on en a deux. Ça sera sur réservation. C'est exceptionnel ça. Voilà. Ah oui, ah oui, ah oui. Ambiance vacances quoi. Voilà. Donc il y a un terrain de pétanque. Hein oui, oui, aussi. Tous les dimanches midi. Tous les dimanches midi brunch. Alors ça consiste en quoi le brunch? C'est un peu anglais ce truc là. Ben sucré, salé, on mange ce qu'on veut. On va se servir. On va se servir, on boit ce qu'on veut. Ah c'est chouette veut. Ça. Oui alors j'ai vu que tu avais aussi un très beau bar. On va passer devant là, on va faire un petit tour, on va passer devant. Un très beau bar. Ça c'est magnifique. Oui, société JBL. Le bar? Oui. JBL, c'est... C'est un couvreur. Ah ouais? Oui, oui. Nous sommes fermés le dimanche soir et le lundi, toute la journée.
Donc ouvert toute l'année. Du mardi au dimanche midi. Les horaires, c'est 11h30, 14h30 et 18h30, 21h. Oui, bah c'est bien ça. Il faut souhaiter, mais je ne me fais pas de bile pour vous, qu'il y ait du monde parce qu'il n'y a plus rien dans le coin. Pour manger, il n'y a plus rien. Quand les vieilles forges sont fermées, à la fin de l'été, tu n'as plus rien. Bon, alors, au niveau, là, parce que du temps de Nicolas, il y avait des chambres d'hôtes, mais ça va être terminé. Voilà, c'est terminé. Et alors, vous allez faire quoi, proposer quoi, si les gens veulent rester un peu sur place? Ça sera dans les mobilhomes, l'année prochaine. Ah, seulement l'année prochaine. Voilà. D'accord. Donc, les couchages, ça sera l'année prochaine. Voilà. Donc, tu mets 6 personnes, tu m'as dit, dans un bungalow. C'est que du couchage. Que du couchage. D'accord. Puis, il y aura des chalets. Ah, par la suite. Parfait. Autre chose? Et on attend que l'aventure démarre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bon, alors voilà le bar. Le bar. Un bar qui n'existait pas avant. Hein. Et là, bon, il y a ce qu'il faut à boire. Hein. Alors voici le coin brunch, petit déjeuner. Donc bah, tout ça va s'améliorer avec le temps. Hein. C'est une vue d'ensemble. Ici la salle du restaurant. Avec les extérieurs, regardez cette belle vue sur la nature. C'est formidable. Alors l'entrée du restaurant, avec le mobilier, et un meuble fabrication maison, me dit Karine. Récup. Formidable. Alors voici l'extérieur. Puis la belle allée d'entrée, ouais, la façade, bah, c'est de la belle pierre, extrêmement jolie. Hein. Et là, on a un très beau terrain de pétanque qui va se rallonger, m'as-tu dit, Karine, hein. Oui, c'est ça. Oh, bah, c'est même prêt pour jouer, là, tu vois. Ah, j'adore ça, je suis pas bon, mais j'adore ça. Et puis donc, voilà l'arrière du bâtiment. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique.